quelques jours après être entré en collision avec une voiture dans laquelle se trouvaient deux femmes et un bébé, le prince Philippe s'est excusé auprès de la passagère de la voiture dans une lettre. Grosse frayeur pour le prince Philippe le jeudi 17 janvier dernier. Le mari d'Elisabeth II est entré en collision avec une voiture dans laquelle se trouvaient deux femmes et un bébé. La passagère, Emma Fairweather, s'est retrouvée avec le poignet cassé. Le duc d'Édimbourg lui a écrit une lettre d'excuse, dévoilée par le Mirror. Je voudrais que vous sachiez combien je suis désolé pour mon implication dans l'accident à l'intersection de Babbing Alley, écrit le duc. Je suis passé à ce carrefour un nombre de fois incalculable et je sais parfaitement qu'il y a beaucoup de trafic sur cette grande route. C'était une belle journée ensoleillée et, à environ 15 heures, le soleil était rasant sur la route. Le prince Philippe, 97 ans, poursuit, je ne peux qu'imaginer que je n'ai pas réussi à voir la voiture arriver et j'en regrette vraiment les conséquences. J'étais assez secoué après l'accident, mais j'étais extrêmement soulagé qu'aucun de vous n'ait été grièvement blessé. Point, je suis sincèrement désolé que vous ayez été blessé. Je vous souhaite un bon rétablissement après cette expérience traumatisante. Bien à vous, Philippe. Emma Fairweather, s'était plainte du silence du mari d'Elisabeth II et a très bien réagi à la lettre, j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'il signe Philippe et non avec son titre officiel. Le fait que ce soit personnalisé était une agréable surprise. Tout est bien qui finit bien.